Bonsoir à tous. On est très ravis de venir dans votre région très dynamique, manifestement. C'est merveilleux de voir ça, pour présenter et ouvrir cette semaine sur le cerveau. Alors, je voudrais juste dire un petit mot sur la façon dont on va procéder. C'est une conférence un petit peu particulière, conférence concert. Quand on fait des conférences sur la musique, c'est un peu bizarre de ne pas avoir la musique en personne avec la conférence. Donc là, vous l'avez en personne. Je présente les musiciens. Steve Duong, lève-toi Steve, premier violon. Jérémy Visseau au violon, Camille Grollet à l'alto. Et je veux juste dire un mot sur le format. C'est un peu particulier, il faut un peu d'imagination pour rapprocher la conférence-concert d'un opéra, mais quand même, il y a des périodes de grands arias, on va jouer, et en même temps, vous avez des informations qui vont défiler sur l'écran. Vous serez donc dans une situation qu'on appelle en psychologie cognitive de double tâche, où vous devez faire deux choses en même temps, mais on a été gentils, les informations se laissent des blancs pour que vous puissiez shifter d'une tâche à l'autre. Et puis, il y a des récitatifs scientifiques, qui sont des conférences, je viens ici, et je développe des points et on alterne un petit peu entre les deux. Mais vous n'avez pas le droit de vous endormir parce que vous verrez qu'on va vous poser des questions et on va faire travailler votre cerveau. Ça dure à peu près 1h40, ça dépend si je suis bavard ou pas. Et il n'y a pas d'entracte. Voilà, on commence.
Donc, la musique est une symphonie neuronale, c'est évidemment une métaphore, mais qui aide un petit peu à caractériser par une image un petit, comment on se représente son effet. Je vais évidemment détailler un petit peu cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on fait de la musique, notre cerveau et les différentes régions de notre cerveau sont sollicitées, sont synchronisées, et ces régions sont très nombreuses parce qu'elles portent sur des aspects du traitement et des activités mentales qui sont très différents et très complémentaires. Il y a évidemment des aspects de cognition. Lorsqu'on écoute de la musique, il faut mémoriser les notes, il faut mémoriser les thèmes, il faut comprendre les transformations plus ou moins logiques qui sont faites sur le matériau, c'est de la cognition. Il y a évidemment une dimension motrice, alors chez les interprètes c'est évident, mais même chez les auditeurs, vous bougez du pied, vous sentez le rythme, vous allez danser si vous avez envie, vous êtes autorisé à le faire ce soir, hein. C'est de l'activité motrice, et il y a évidemment la dimension sensible, ce qu'on appelle émotion, qui est essentielle. On ne fait pas ça simplement pour faire un exercice de singe savant, ça nous touche, cette musique, cette expérience-là est forte, et on a donc trois grandes sphères de la vie psychologique, évidemment qui s'appuient sur des réseaux neuronaux qu'on détaillera un petit peu, qui sont sollicités, et la puissance de la musique, c'est sans doute de solliciter l'ensemble de ces processus de façon extrêmement exigeante, d'autant plus exigeante qu'évidemment on s'engage dans l'activité. Et ce triangle-là représente l'effet de synchronisation cérébrale que produit l'expérience musicale lorsque on s'engage pleinement dans cette activité. Ce sont des études qu'on a faites avec le professeur Chauvel à Marseille, où l'on montre qu'avec des électrodes intracérébrales, lorsque l'on écoute de la musique, on a une synchronisation des signaux électrophysiologiques captés par ces électrodes qui montrent que le cerveau se synchronise autour de l'expérience. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est une expérience extrêmement riche. Une petite devinette qu'on peut avoir ensemble, c'est de savoir quelles sont les autres activités que vous connaissez qui peuvent stimuler de façon aussi pleine et aussi intense ces trois grands domaines d'activité. Hein, on a quelques intuitions que la musique fait partie des activités qui sont un peu particulières de ce point de vue-là. Alors, ce que je voudrais faire ici, c'est détailler certains aspects de ces traitements. On va beaucoup parler de cognition et d'émotion. L'action, ben vous la verrez sur scène, mais on va surtout rentrer sur la cognition et les émotions. La cognition, ce que je peux dire, c'est que, de façon simplifiée encore, on sollicite par l'écoute musicale trois types d'intelligence. L'intelligence du son, c'est évidemment qu'on écoute la musique avec les oreilles, il y a énormément de richesse dans le signal sonore. Le petit diaporama d'avant vous explique un peu l'enjeu des problèmes que le cerveau doit résoudre, et ça serait évidemment il faudrait aller beaucoup plus dans le détail pour expliquer toute la finesse de ce traitement-là. Donc on écoute la musique avec les oreilles, il y a donc une intelligence sensible du traitement perceptif de ce signal, mais il y a autre chose qui se passe ensuite, c'est ce que j'appelle l'intelligence des structures. La musique a cette particularité par rapport aux autres stimulations de l'environnement, c'est qu'elle ne renvoie à rien de concret dans le monde réel. La peinture renvoie à des scènes concrètes, le théâtre renvoie à des choses concrètes, plein de choses renvoient du monde qu'on connaît, mais la musique c'est purement gratuit, c'est-à-dire que c'est une abstraction sonore, les notes, les patterns de notes ne renvoient à rien de ce que nous connaissons dans le monde extérieur. C'est donc une sorte de mathématique du son, et c'est pas pour rien qu'il y a des liens entre la musique et les mathématiques, on y reviendra. Donc cette intelligence des structures, elle permet de calculer des relations abstraites, complexes, et qui existent entre des événements sonores qui sont séparés dans le temps. C'est ce que j'ai représenté par ces arborescences qu'on utilise souvent en linguistique.
Et puis évidemment, on a une intelligence sensible. Tout cela, nous le faisons parce que nous ressentons sur la sphère sensible, émotionnelle, quelque chose qui nous est agréable, qui nous est fort en tout cas, qui ne nous laisse pas indifférent, qui ne nous laisse pas froid. Et évidemment, ce sont ces trois intelligences qui sont sollicitées. Et j'ai envie de dire qu'il y a une très grande complicité entre ces trois intelligences. Et la meilleure façon de vous en donner un exemple très simple, c'est de penser à l'interprétation musicale. On joue toujours les mêmes œuvres, sauf qu'on les joue toujours un petit peu différemment. Et en changeant quelques paramètres dans le signal sonore qui est ici, on peut complètement modifier la structure et complètement modifier l'expression, l'émotion que l'on ressent. Il suffit de comparer, par exemple, les interprétations baroques et les interprétations romantiques qui ont été données des pièces de Bach pour avoir une idée de l'ampleur de la sensibilité de notre cerveau à ces facteurs d'interprétation. Ça veut dire que les rouages qui nous permettent d'entendre la musique sont un peu comme les rouages d'une montre suisse super bien organisée. C'est absolument magique. Vous modifiez quelques petites choses dans le signal sonore ici et ça a des répercussions sur le plan psychologique qui peuvent être très importantes. Donc ça souligne toute la sophistication des processus mentaux auxquels on a affaire lorsqu'on s'intéresse à la musique. Alors, le but de la conférence, c'est de vous donner quelques petits exemples de ce travail-là. Et comme cette intelligence des structures est peut-être celle pour laquelle, en tout cas, sauf si vous êtes familier avec la musique, vous êtes peut-être un petit peu... C'est un concept qui parle un peu moins. C'est celui-là qu'on va développer un petit peu ici. Il y a une forme musicale qui est très intéressante, qui est la forme du thème varié et qui montre à quel point nous faisons un travail intellectuel abstrait lorsque nous écoutons de la musique. Le thème varié, vous le connaissez tous, vous prenez un thème qui est très connu, je ne vous dirai pas de thème particulier, mais par exemple les feuilles mortes, et on connaît tous ce thème, vous entrez dans un club de jazz et les musiciens sont en train de jouer les feuilles mortes, ils jouent le thème au début, puis après ils font des variations. C'est-à-dire qu'ils modifient ce thème, ils rajoutent des notes, ils en enlèvent, ils changent des choses, ils transforment complètement le signal sonore qui rentre dans votre oreille, mais par une sorte d'alchimie, votre cerveau arrive à dire « c'est les feuilles mortes ». Et ça ne ressemble pas au thème des feuilles mortes. Ça montre à quel point, à partir d'un signal sonore complexe, votre cerveau peut faire des abstractions extrêmement grandes et retrouver un thème tout simple, les feuilles mortes, alors que, si vous écoutez un bon groupe de jazz, le thème, la variation qu'ils sont en train de jouer est très élaborée. Alors c'est ce petit travail-là qu'on va vous inviter à faire. On va vous jouer des variations d'un thème que vous connaissez tous, sinon ça ne serait pas du jeu. On a choisi des variations qui rendent le thème pas si facile que ça à reconnaître. Et le petit jeu, c'est de savoir... quel est ce thème ? Ceux qui le trouvent, vous pouvez ensuite aller à l'étape supérieure. Quel est le style qui a conduit à faire la variation qu'on vous propose ? Après, on vous interroge, bien sûr.
évidemment, vous êtes très fort, vous avez trouvé tout de suite, mais je pense que même si vous avez trouvé, vous voyez le type de travail qui peut se produire et qui développe un sens de l'abstraction, de toute évidence. Et c'est pour ça que ça peut avoir un impact de développer chez des enfants, par exemple, qui ne vont pas tout de suite faire des mathématiques, ce travail d'abstraction avec un matériau musical. Alors évidemment, on pourrait détailler beaucoup plus ce travail intellectuel qui se fait lors de l'écoute. On va juste vous donner un autre exemple parce qu'il est absolument fondamental. Je pense que c'est même le cœur de la cognition musicale qui réside dans le processus que je vais détailler maintenant, qu'on appelle les attentes perceptives. Ces attentes ont été développées, cette théorie a été développée par un musicologue américain, qui s'appelle Leonard Meyer, et qui a dit la chose suivante. Lorsque vous écoutez un contexte musical, vous ne pouvez pas vous empêcher d'anticiper ce qui va suivre. Ça ne veut pas dire que vous anticipez exactement les notes, mais vous avez une petite idée du type d'expérience sonore que vous allez avoir à faire, et c'est ce que j'ai représenté par ces arborescences en pointillés, parce que ce n'est pas très clair. Et ce travail d'anticipation, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur de la cognition. Alors maintenant, en neurosciences, on parle beaucoup de ça, de la capacité du cerveau à anticiper. Mais là, vous êtes en train d'anticiper à plusieurs échelles de temps ce que je vais vous dire. Vous pouvez finir. Merci. Et vous anticipez plus parce que vous dites, mais il veut nous conduire où? Et si vous restez, c'est que vous arrivez à comprendre que je vous conduis quelque part, sinon vous partez en général. Donc ce travail d'anticipation, c'est un travail absolument fondamental et le cerveau est toujours en avance. Le jour où le cerveau commence à être en retard sur la vie réelle, il y a des gros problèmes. Vous soyez au volant d'un vélo, d'une voiture, que vous discutiez avec quelqu'un, etc. Et ce travail-là, la musique le sollicite. Et c'est ce qu'on va vous expliquer un tout petit peu maintenant. Le compositeur, par les règles de l'harmonie et la grammaire musicale, dont je dirais juste un petit mot ici, peut créer des attentes chez vous. Et évidemment, il peut créer ces attentes de toutes les formes possibles. Et ce que dit Meyer, c'est que si vous êtes intéressé par la musique, si elle ne vous laisse pas complètement indifférent, c'est que vous entendez ses attentes, et en fonction de la façon dont le compositeur va jouer avec ses attentes, eh bien vous allez avoir des émotions, des expressions, etc. Et la musique va devenir une expérience émotionnellement riche. Une musique qui ne créerait pas d'attentes, ça existe. Quand vous débarquez dans une culture du monde que vous ne connaissez pas du tout, bah, la musique toulée d'Amérindiens, des Amérindiens en Amazonie, au début, on n'a pas d'attente. Hein. Après, ça vient. Elle n'évoque pas grand-chose. Hein. Mais donc, une musique doit nécessairement créer des attentes. À partir de là, le compositeur vous tient dans sa main, d'une certaine façon, parce qu'il vous a à sa merci. Il peut résoudre les attentes. Il peut retarder la résolution, c'est très fréquent. Il peut vraiment la retarder de 36 000 façons. Il peut les résoudre différemment, et puis il peut aussi ne pas les résoudre du tout. Alors là encore, on va vous faire sentir ça, parce que c'est tellement fondamental que quand vous aurez réalisé, ben, dites, bah oui, bien sûr, on fait tout le temps ça, finalement, quand on écoute de la musique. Donc je vais mettre à contribution le trio, cette fois, je garde ma casquette scientifique, pour leur demander de jouer un petit exemple d'une rêverie de Schumann qui a été transcrite pour trio à cordes. Et là, vous devez vous dire, tiens, c'est bizarre. Ça finit un peu bizarrement, non? Qu'est-ce que vous avez fait, les musiciens? Vous ne nous avez pas fait une blague, là? Vous pouvez... non, c'est la vraie fin ou pas? Non, vous le sentez, c'est évident. Donc maintenant, la vraie fin, s'il vous plaît. Ben oui, voilà, c'est ça qu'on a dans la tête. Mais alors, à partir de là, il y a un vrai discours et un vrai jeu qui peut s'établir avec l'auditeur, parce qu'on peut, avec la syntaxe musicale, ben, jouer avec vos attentes. On va vous faire une autre fin, qui est possible, mais qui n'est pas celle que vous attendez vraiment. Donc là, vous avez une petite surprise, une seconde surprise, et waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et évidemment, ça a un effet immédiat sur ce que vous ressentez, parce que vous êtes surpris, mais vous voyez qu'il y a un éclairage nouveau, et c'est un petit peu comme si tout d'un coup, on vous dit quelque chose de tout à fait passionnant dans une phrase là où vous ne vous attendez pas. Peut-être un autre exemple? Et là, ce que vous entendez,
c'est que les attentes peuvent être enchâssées. Il y en a une attente, peut être surprise, et contenir encore une autre surprise. Dernier exemple, peut-être. Et on pourrait passer toute la soirée comme ça. Et c'est en fait, quand vous écoutez de la musique, vous êtes simplement en train de vivre ce genre d'expérience. Ces attentes, elles sont absolument fondamentales. Je l'ai illustré ici sur un paramètre, qui est le paramètre de l'harmonie, parce que c'est facile et que ça s'entend bien, et que vous avez clairement ça dans la tête. Mais évidemment, les compositeurs peuvent jouer sur toutes les dimensions du son pour créer des attentes, sur la dimension mélodique, sur la dimension rythmique, sur la dimension timbrale, sur la dimension rhétorique, sur la dimension... Ils ont énormément de moyens de jouer avec vous. Et ce qui est intéressant, et vous allez voir que ça nous conduit très rapidement vers une problématique qui va nous amener assez loin, fondamentalement, c'est que vous voyez qu'en fait, en musique, il se passe quelque chose de très comparable à ce que vous connaissez dans le domaine du langage. Le compositeur, c'est comme un écrivain, un romancier qui écrit un roman policier. Il va créer des suspens et il va développer ces suspens dans le temps. Et vous allez suivre ce suspense sonore. Alors évidemment, il n'est pas exactement caractérisé de la même façon que dans un roman policier comme Le Nom de la Rose, par exemple, mais il va être fait de rebondissements, de surprises qui amènent des coups de théâtre, etc. D'un point de vue cognitif, d'un point de vue du traitement de l'information, ce sont des processus qui sont très, très proches. Et alors, évidemment, ça va conduire vers la problématique. La musique s'organise comme un langage. Elle utilise les mêmes moyens, elle utilise les mêmes procédés, elle sollicite les mêmes aptitudes mentales, les mêmes ressources. On va développer ce point maintenant, le lien étroit, complexe, qui existe entre musique et langage, et vous allez voir que ça va nous conduire un petit peu plus loin. Pour illustrer ces phénomènes d'attente, on a choisi de vous jouer un morceau, pendant lequel un petit PowerPoint va développer sur les liens entre musique et langage, qui est un morceau qui vagabonde un petit peu dans différentes ambiances, qui est une sorte de rhapsodie, une rhapsodie, mais pas n'importe quelle rhapsodie, c'est la rhapsodie bohémienne qu'on emprunte au groupe Queen, et qui va vous surprendre par les moments et les ambiances qu'elle propose. Thank you.
J'ai fait exprès de vous laisser sur cette question terrible. Pourquoi y aurait des liens entre la musique et le langage? Pourquoi ces deux activités seraient si proches? Quelle est la raison d'être de ce fait? Il y a plusieurs interprétations, hein, plusieurs possibilités. La première, elle a été proposée par Stephen Pinker. Stephen Pinker, c'était un psychologue cognitiviste qui a dirigé le MIT, qui est un grand centre de sciences cognitives et qui a écrit un gros livre en anglais puis en français, publié chez Odile Jacob, « Comment l'esprit fonctionne », et dans lequel Pinker nous donne une interprétation. Pour Pinker, le cerveau a développé des outils durant la phylogénèse qui sont essentiels pour l'adaptation. Le langage, de toute évidence, fait partie de ces outils essentiels à l'adaptation. Donc on a des neurones pour le langage, on a des ressources neuronales pour le langage. Une fois qu'on a cette boîte à outils, eh bien on peut faire des activités qui ne sont pas indispensables à l'adaptation, mais qui sont très intéressantes, très agréables. La musique serait une de ces activités. Donc ce que dit Pinker, c'est que le cerveau a développé tout un ensemble de ressources pour l'adaptation, mais ces ressources peuvent ensuite être utilisées, comme il le dit lui-même dans son livre, le dimanche, pour faire des trucs sympathiques. Eh bien, l'art, la musique, ça fait partie de ces choses-là. Il n'y a pas de ressources pour ces activités-là parce qu'elles n'ont pas de finalité adaptative et importante. Alors, évidemment, la musique, de ce fait, est une activité comportementale qui squatte, d'une certaine façon, les réseaux neuronaux qui sont données pour les choses importantes, le langage. Et c'est ce qu'il exprime dans sa formule célèbre « Music is a cheesecake », qu'on pourrait traduire. La musique, c'est la cerise sur le gâteau. On n'a pas évolué pour aller manger des sucreries, mais on a évolué pour manger des choses importantes. Les sucreries sont venues pour flatter, en fait, ces processus qu'on a pour l'adaptation nutritionnelle dans le cas de cet exemple. Alors, la deuxième conséquence, elle est encore plus terrible. Si la musique venait à disparaître de l'humanité, ça ne changerait strictement rien à notre cerveau et ça changerait strictement rien au cours de l'humanité, évidemment, puisqu'on n'a rien là-dedans qui a été développé pour cette activité. C'est comme si on nous enlevait les sudoku, ça ne changerait sans doute pas la face du monde. Hein. Alors ça, c'est une première interprétation. Bon,
Beaucoup de monde, je pense, considérait cela comme ça. Lorsqu'on dit la musique, c'est un loisir, eh bien, on pense effectivement que c'est un truc tout à fait sympathique, mais il n'y a pas vraiment de raison que notre cerveau évolue pour avoir des ressources pour des choses sympathiques qui ne sont pas indispensables pour l'adaptation. Et il n'y a pas que les scientifiques qui ont dit ça, il y a même des musiciens qui s'y sont mis. Borodine qui nous dit la musique, bah, c'est un temps, une relaxation, une activité agréable que l'on fait une fois qu'on a fini de faire les choses sérieuses. Bon. Est-ce qu'il y a une deuxième hypothèse possible? Et je crois qu'évidemment, s'il y a une deuxième hypothèse possible, vous voyez que ça va avoir des implications sur la façon dont on va comprendre l'activité dans la vie de tous les jours et dans la société, au niveau des instances politiques aussi, qui va être tout à fait différente. Et c'est cette deuxième hypothèse qu'on va développer et essayer de montrer que la position de Pinker, effectivement, même si elle représente, je pense, un petit peu l'idée commune, si on faisait un sondage là-dessus, je pense qu'il emporterait largement les élections, si je peux dire, avec 80% des voix. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui disent non, la musique, c'est véritablement indispensable au point que notre cerveau a évolué pour doter des ressources sur cela. Alors, la réponse, eh bien, on va la trouver dans l'acte 2, qui va poser cette question-là. Mais finalement, pourquoi les humains font la musique? On a un truc surprenant, cette activité musicale, elle prend des ressources au langage, qui est vraiment l'activité reine de la cognition. Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est comme ça? À partir de quand on s'est mis à faire de la musique, et surtout pourquoi? Alors, il faut, pour aborder cette question, bien, refaire un retour en arrière, dans le temps et dans la géographie. Il faut revenir dans notre berceau africain de la vallée du Rift pour se dire, ben voilà, tout a commencé là, l'histoire de l'humanité. À partir de quand nos ancêtres se sont mis à faire de la musique? Et pour vous laisser découvrir la petite réflexion qui va se dérouler sur PowerPoint, on va emprunter à la musique rock un hommage aux musiques africaines qui nous vient d'un morceau des Rolling Stones que vous reconnaîtrez sans doute si on le joue correctement. Thank you.
évidemment, vous l'aurez trouvé par vous-même, la première personne scientifique qui a dit des propos qui allaient s'opposer à ceux de Pinker, c'était bien Darwin. Lui aussi, et comme beaucoup d'autres, s'est demandé mais pourquoi les humains font de la musique? C'est vraiment une activité étrange qui rapporte rien et qui coûte beaucoup en temps, etc. Et quel peut être l'avantage de cela? Alors, vous connaissez la position de Darwin, elle est célèbre. Évidemment, Darwin, en bon scientifique, va comparer chez l'animal si on trouve des situations comparables. Et vous connaissez l'histoire du paon. Le paon a un plumage extraordinaire qui lui sert strictement à rien, qui coûte beaucoup, parce que pour avoir un plumage comme ça, il faut manger de la bonne nourriture, qui est absolument handicapant, parce que quand on a un plumage comme ça, on ne peut pas sans se sauver quand il y a des prédateurs. Et donc, c'est quelque chose qui est totalement inadapté, mais qui pourtant a été sélectionné, a été prolongé, donc ça doit avoir un avantage adaptatif. Et vous connaissez la position que fait Darwin, c'est de dire que ça a un avantage pour la sélection du partenaire. Ce plumage-là est un indicateur que le partenaire est un bon partenaire. Alors on comprend mieux pourquoi maintenant, parce que c'est un indicateur que ce paon a des bonnes ressources alimentaires, et s'il a des bonnes ressources alimentaires, la descendance aura des bonnes ressources alimentaires, etc. Vous connaissez toutes ces théories, je pense. La question, c'est de dire, ok, c'est très bien pour le paon, mais est-ce que ça peut avoir un rapport avec la musique? Et Darwin se dit, est-ce que ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là qui a conduit les humains à faire de la musique? Ça a présenté un avantage pour la sélection des partenaires. Et lorsque on regarde dans l'histoire de la musique, on peut trouver des tas d'observations, ne serait-ce que la pratique des chants de voix castrées, hein, dont Farinelli le film raconte l'histoire, si vous connaissez, était un moyen de séduire, manifestement, d'avoir ces voix si extraordinaires. Il semblait qu'elles avaient un pouvoir de séduction remarquable. C'est le film lui-même même qui le montre. Donc, Darwin... Pour la descendance, c'est pas gagné. Pour la descendance, c'est pas gagné. Mais... Ça, c'est vrai. Peu importe. La question... Si l'on en croit l'approche de Darwin, il y a de toute évidence un lien très fort entre cette expression musicale et la sexualité et évidemment la reproduction. Si vous discutez avec des ethnomusicologues, ils vont vous dire, c'est évident dans toutes les cultures du monde. Il y a deux choses qu'on observe. Les activités musicales s'intensifient à la puberté. Elles se calment un peu une fois que les couples sont formés. Et c'est essentiellement une histoire d'hommes. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas musiciennes, mais ce sont les hommes qui sont principalement actifs. Les femmes participent, dansent en général, mais sont moins actives. Donc il y a des tas d'éléments qu'on peut trouver dans des tas de recherches qui peuvent conduire à penser ce lien. Peut-être un autre élément qui nous vient de l'ethnomusicologie, la samba. Vous connaissez tous la samba, on sait tous que c'est une danse de séduction. La samba vient d'un rite, ou viendrait, on va prendre au conditionnel, mais d'un rite africain de procréation, c'est-à-dire que pour faciliter la procréation, on faisait un rituel musical, et dans ce rituel, les musiques étaient faites en sorte qu'à certains moments, les deux nombrils des hommes et des femmes se touchaient, et le B de samba vient de umbilicum, ce qui traduit le fait que les deux nombrils se touchaient. Donc c'est l'histoire de la samba. Donc on a des tas d'éléments qui peuvent nous laisser penser que tout cela est possible. Il y a des éléments neuroscientifiques qui sont un tout petit peu plus troublants maintenant et que je vais vous décrire. On connaît tous les centres du plaisir qui ont été découverts il y a pas mal d'années maintenant de façon un petit peu involontaire en quelque sorte. On s'était trompé dans la façon dont on avait planté les électrodes dans la petite tête du rat, et on s'est rendu compte que lorsqu'on plantait l'électrode dans une certaine zone, le petit rat appuyait sans cesse sur l'électrode pour stimuler cette zone du cerveau, et il n'arrêtait pas de faire ça jusqu'à en mourir. Il préférait continuer à stimuler. Et si on mettait des chocs électriques très forts, c'est-à-dire que le rat était tellement stimulé qu'il volait jusqu'au fond de la cage, la première chose qu'il faisait lorsqu'il récupérait ses esprits, c'était de revenir et de stimuler ça. Donc ce sont la découverte des zones du plaisir, donc de ce qu'on va appeler le cerveau émotionnel. Il n'y a pas qu'une seule zone du plaisir, il y a toute une structure qu'on appelle le cerveau émotionnel qui prend tout un ensemble d'éléments et qui sont des structures très archaïques qu'on partage avec tous les êtres vivants et qui façonnent le comportement, notamment par le système de récompense, c'est-à-dire qu'on récompense les comportements qui conduisent plus ou moins directement à stimuler ces zones-là. On sait donc qu'entre dans ce circuit de la récompense, des stimuli qui sont biologiquement pertinents, alors la sexualité, la nourriture, etc., ou des artifices, c'est-à-dire des drogues qui vont aller stimuler de façon artificielle ces éléments. Est-ce que la musique a quelque chose à voir avec ça?
On peut penser que, et je pense que quand j'ai commencé ma recherche, je croyais plutôt ça, que la musique c'était un plaisir intellectuel, que peut-être ça stimulait certaines couches néocorticales tout à fait proches de la culture, de l'abstraction, etc. Mais on n'était pas nombreux, enfin on ne pouvait pas vraiment anticiper que ça pourrait aller aussi profond, le plaisir musical. Et l'équipe de Robert Zator à Montréal et son étudiante brillante Valérie Salimpour a fait tout un ensemble d'études sur au scanner pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque les gens ont une expérience musicale émotionnellement très intense. Vous avez un bon moyen de repérer cette expérience émotionnelle intense, c'est qu'en général vous avez des frissons, ça vous noue la gorge, la musique que vous écoutez, ça vous fait des chauds, des froids, ça change l'état végétatif dans lequel vous vous trouvez, et ça veut dire que vous avez une expérience musicale très grande. Donc on peut regarder dans le scanner quelles zones sont activées dans ce type de situation, et on peut demander aux gens, c'est ce que vont faire Robert Zator et Valérie Salimpour, d'indiquer quand ils ont une émotion musicale intense. Et à l'issue de l'écoute de le morceau de musique, de dire combien ils seraient prêts à donner d'argent pour pouvoir acheter le morceau. Donc ça va de 0 dollar canadien jusqu'à 10 dollars canadiens, par exemple. C'est fictif, mais bon, les gens donnent quand même une évaluation. Et alors, ce que l'on trouve, c'est que, c'est ce que vous avez ici, c'est qu'il y a des moments où vous avez une expérience émotionnelle qui est très forte, qui est ici, et où vous avez le noyau accumbens, qui va décharger de la dopamine soudainement, et ça correspond à peu près au moment où la personne dit « bah là, c'est super hein ». Et vous avez ça de façon assez systématique. Et ce que vous avez d'autre, c'est qu'il y a un autre noyau qui va anticiper l'arrivée de cette décharge dans la accumbens, qui est ici, c'est-à-dire qu'il sent qu'il va se passer quelque chose de très fort. Et une fois que l'événement, ce qu'on appellerait en musique le climax musical, c'est-à-dire l'événement vraiment surprenant arrive, eh bien cette structure s'arrête. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit que le plaisir musical modifie la production de dopamine. On a véritablement un neurotransmetteur qui est changé, qui est modifié et qui va, comme on le sait, entrer dans les réseaux du plaisir, dans les réseaux de l'action. Donc on a une réaction physiologique qui est tout à fait fondamentale et beaucoup plus biologique finalement que ce que l'on pouvait imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare l'activité qu'il y a dans ces zones du réseau de la récompense, avec ce que les gens vous disent, je suis prêt à payer 10 dollars là. On voit qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire que plus ces structures ont été activées, et plus les étudiants rapportent, dire je suis prêt à payer parce que c'était vraiment bien, quoi. Donc on peut reconstituer un mécanisme d'addiction musicale en laboratoire, certaines simulations du mécanisme d'addiction, comme on en connaît dans d'autres situations de la vie quotidienne. Donc ça c'est véritablement important parce que ça laisse penser que le plaisir musical est véritablement un plaisir qui est loin d'être intellectuel, mais qui va avoir accès à des mécanismes biologiques qui sont tout à fait fondamentaux. Alors, il y a eu d'autres interprétations pour expliquer le pouvoir, la valeur adaptative. Il y a d'autres gens qui ont dit, pouvoir produire du son, on voit ça chez les chimpanzés, et lorsque les chimpanzés veulent influencer un autre groupe de chimpanzés, ils se mettent à plusieurs, ils font beaucoup de bruit. C'est aussi une stratégie qu'utilisent les animaux pour exprimer la puissance, la volonté guerrière, etc. On est assez convaincu aujourd'hui que la musique va jouer sur des forces de vie assez fortes, qu'elles soient liées à la sexualité, à la sélection du partenaire ou encore à l'expression de la puissance. Donc elle sollicite et elle stimule des énergies de vie qui sont fondamentales. Alors à ce stade-là, on s'est dit « waouh ». On a envie de redevenir un petit peu néandertalien, et on a, nous, musiciens classiques, qui n'avons pas souvent l'occasion de pouvoir exprimer la fureur de vivre sur nos instruments avec nos partitions codifiées, on a envie d'essayer de traduire cette énergie et cette intensité de l'expérience musicale, et on a choisi de le faire à l'issue d'un défi qu'on nous a posé dans un congrès de rock progressif où Bill Bridford, qui était le batteur de Yes ou de King Crimson, nous a dit « c'est bien votre quatuor qui joue du rock, mais est-ce que vous pourriez jouer du punk, est-ce que vous pourriez arriver à capturer cette énergie basique, fondamentale, bestiale si je peux dire, qui sort des guitares électriques, des amplifications sursaturées avec vos instruments ? » Alors c'était un défi, mais en tant que psychologue je me suis dit finalement, si la musique a la possibilité de toucher à des réseaux aussi fondamentaux de nos cerveaux, ça doit être possible et on va vous le montrer. Thank you.
Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de le faire aussi. Bon, probablement Darwin ne pensait pas exactement les choses forcément comme ça. Je pense que l'approche de Darwin était un tout petit peu plus subtile qu'on la présente parfois et que je l'ai résumée ici. Je pense que la véritable idée de Darwin, c'était de dire que nos ancêtres, qu'ils soient néandertaliens ou d'autres lignées humaines, n'étaient probablement pas des brutes épaisses. Ils avaient forcément des émotions, car les émotions sont nécessaires à l'adaptation. Et au moment de s'accoupler, ils ne devaient pas être complètement insensibles à certains paramètres sensibles. Et donc, quelqu'un qui présentait des avantages, des capacités de moduler les états émotionnels de l'autre, pouvait probablement présenter des intérêts ou des caractéristiques qui étaient discriminantes. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce que dit Darwin dans cette phrase qui est intéressante, qui dit que bien avant d'avoir accès à la langue, les êtres humains pouvaient peut-être avoir accès à la musique pour pouvoir exprimer leurs sentiments, et que ça devait jouer un rôle dans la formation des couples, comme si en quelque sorte la musique, pour des raisons purement sociales, aurait anticipé le langage pour exprimer les choses beaucoup plus fondamentales que ce que va exprimer plus tard le langage de façon beaucoup plus sophistiquée. Donc ça, je pense que c'est tout à fait plausible. On peut imaginer effectivement que un des caractéristiques de la musique, c'est de pouvoir moduler les états émotionnels des autres, de les moduler et de créer des véritables émotions qui peuvent modifier complètement l'état psychologique des personnes, et que du coup, ben, c'était un moyen, évidemment, de séduire ou de repérer des personnes qui avaient des caractéristiques intéressantes. Et c'est cette caractéristique, effectivement, qui est centrale dans la musique. C'est-à-dire que la musique, évidemment, elle a le pouvoir de créer de l'énergie. On vient de vous en faire une démonstration. Elle stimule des forces de vie. C'est un peu la fureur de vivre de James Dean, ce qui n'est pas rien. Mais ce qui est beaucoup plus génial, c'est qu'elle peut moduler ces énergies. C'est-à-dire qu'elle peut les conduire vers des sphères positives, elle peut les conduire vers des sphères négatives. Et c'est cette seconde dimension qui est essentielle et qui fait de cet objet un objet qui est riche et qui peut, de fait, avoir présenté des intérêts pour l'adaptation et pour des tas de problèmes socio-affectifs que les êtres humains avaient aussi à résoudre dans la phylogénèse. Et c'est cet aspect-là que je vais développer un petit peu. Lorsqu'on fait des études sur l'espace émotionnel véhiculé par la musique, on retrouve très rapidement qu'il y a deux grandes dimensions qui émergent dans les réponses qu'on obtient. La première dimension, c'est que les émotions que vous ressentez, effectivement, elles sont caractérisées par des énergies plus ou moins grandes. Elles vous énergétisent ou elles vous calment. C'est ce premier axe qui est représenté ici. Mais le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle la valence émotionnelle, c'est que ces énergies peuvent être positives, c'est-à-dire agréables, ou au contraire négatives, c'est-à-dire ben, vous amener vers des sphères psychologiques qui ne sont pas tout à fait favorables. Alors, si on décline et qu'on croise ces deux dimensions, vous allez voir qu'on retrouve quatre émotions basiques en musique, qui sont la gaieté. Il y a des énergies qui sont grandes et qui sont positives. Vous avez des musiques qui vous rendent joyeux, c'est-à-dire beaucoup d'énergie et positif. Vous avez des musiques qui peuvent aussi provoquer de la colère. On a utilisé ça dans les musiques de guerre, bien évidemment, pour booster l'énergie des personnes, mais pour aller les conduire au combat. Et on a des tas d'exemples dans l'histoire, comme vous le savez, des cornemuses, notamment irlandaises, qui précédaient les fantassins. Vous avez évidemment des énergies négatives et qui sont très faibles, des énergies du désespoir, de la dépression. Dans l'opéra, on a des passages qui sont d'une dramaturgie totalement puissante. Et puis vous avez, on va finir sur ça, des énergies qui sont très calmes et qui sont très positives. C'est des musiques sereines, toutes celles que vous allez chanter à votre enfant, que vous allez écouter quand vous avez envie de vous apaiser, etc. Donc on a cet espace, c'est délimité par ces grandes catégories, mais vous voyez que c'est un espace qui est continu, et en manipulant adroitement les paramètres, les compositeurs vont pouvoir vous déplacer de façon subtile dans cet espace, et la subtilité du compositeur va justement consister à changer un petit peu les teintes émotionnelles des morceaux, comme un peintre peut changer un petit peu les couleurs sur sa peinture. Et évidemment, c'est ça qui va faire toute l'expérience, la richesse de l'expérience musicale, et qui, au fond, va vous séduire et va vous laisser emporter par l'événement, ou peut-être éventuellement, dans l'hypothèse de Darwin, par la personne qui est à l'origine de cet événement. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple de cela. On va vous faire entendre, ils vont vous faire entendre un morceau que vous connaissez, et donc il n'y aura pas de problème pour caractériser la valeur émotionnelle de ce morceau. Steve, quand tu veux. Thank you.
Bon. Ça donne la pêche, et c'est positif, il n'y a pas doute. Ce que je veux vous faire entendre maintenant, c'est qu'il suffit de changer très peu les paramètres pour qu'Indiana Jones vraiment devienne très dépressif, et cette fois, il a vraiment tout perdu. On est à peu près là dans cet espace, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie, il n'y a plus beaucoup d'espoir, pour ne pas dire qu'il y a un gros désespoir ou un gros chagrin en tout cas. Donc évidemment c'est un tout petit exemple, mais la musique nous conduit à faire des déplacements dans cet espace, et il y a un côté magique de pouvoir par un son, il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de produit chimique, il n'y a rien, modifier les états psychologiques dans lesquels on se trouve et conduire évidemment les gens à avoir des comportements différents. Donc ça, c'est possible que ça soit effectivement un des éléments extrêmement convaincants qui ait conduit cette activité musicale à être sélectionnée pendant la phylogénèse et donc à bénéficier de ressources neuronales pour pouvoir justement se développer et se poursuivre. Alors là, on va faire un TD. C'est un petit exemple. On va vous faire entendre une pièce qui va évoluer pendant 7-8 minutes dans cet espace, et on vous invite simplement à suivre cette évolution. Alors si vous voulez le suivre sur un papier, vous pouvez vous faire un petit dessin comme ça et puis dire à chacun des moments où on va vous tester où vous vous trouvez dans cet espace, et comme ça va vous permettre de visualiser la trajectoire émotionnelle que fait la musique. Si vous voulez le faire que mentalement, vous pouvez le faire sans avoir support de papier. C'est un exemple qu'on emprunte au rock progressif. Le rock progressif veut dire ce qu'il veut dire par le terme de progressif. La progression, c'est évidemment une progression dans les ambiances, et les progressions dans les ambiances, c'est un déplacement dans cet espace, et c'est un morceau qu'on emprunte à Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Thank you.
Bon, j'espère que cette petite expérience vous aura permis de vous familiariser en tout cas avec cette idée qu'il existe un espace émotionnel et que la musique peut vous y déplacer. Alors évidemment, selon les musiques, ce n'est pas les mêmes déplacements et c'est toute la richesse de la chose. Alors, cette hypothèse, c'est celle qu'on pourrait retenir de Darwin et qui évidemment se positionne de façon très contradictoire à celle de Pinker qui disait que la musique squatte les réseaux du langage et est une activité de loisir pur. Le problème de la musique, de l'approche de Darwin, c'est que ça serait valable uniquement si la musique était une activité pertinente à partir de l'adolescence, un petit peu comme les signes extérieurs de la puberté qui apparaissent à ce moment-là. Mais ce qui se passe, c'est que c'est pas que ça. La musique, ça marche aussi chez les tout bébés, et il y a manifestement une autre raison pour comprendre l'importance de la musique que cette approche de Darwin, et c'est ce qu'il faut regarder maintenant, pourquoi et comment les bébés sont-ils sensibles à la musique. Alors il y a des tas de choses que l'on sait, la psychologie développementale chez le bébé a fait énormément de travaux dans les 20 et 30 dernières années, on sait que le bébé humain est un
un petit musicologue en herbe. Il naît musical de naître. Il a des tas de compétences pour traiter des structures musicales quasiment dès la naissance. Et on sait même qu'avant la naissance, il est déjà capable d'encoder des structures musicales, notamment intervalliques, de façon très précise. Je vous donnerai juste l'exemple d'une expérience, mais il y en a beaucoup, mais qui est assez marquante. On demande à des mamans d'écouter certaines chansons populaires, dont on leur donne une liste, avant la naissance de leur bébé, donc elles doivent l'écouter un certain nombre de fois par semaine. Et ensuite, on leur demande pendant un an de faire en sorte que le bébé ne retombe plus sur ces mélodies-là. Bon, en tout cas, de plus les écouter à la maison. Si c'est au supermarché, tant pis, mais enfin, en limite. Et ensuite, un an après, on présente à ces bébés ces mélodies et on fait des erreurs de notes. Et on mesure l'électroencéphalogramme de ces bébés et on regarde s'il y a des ondes négatives qui apparaissent quand il y a des erreurs de notes, c'est-à-dire que le bébé dit « Oh tiens, c'est bizarre, c'est pas ça que je connais ». Et on compare avec un groupe de bébés qui n'a pas eu cette exposition prénatale à ces familles. Et ce qu'on constate, c'est que les bébés qui ont été exposés à ces mélodies détectent, au niveau des EEG, des erreurs de notes. Donc ça vous donne une petite idée de la capacité du cerveau humain à encoder cette structure musicale, déjà avant la naissance. Donc c'est pas véritablement du hasard si on a une telle capacité précoce, c'est que probablement il y a une prédisposition de l'espèce pour traiter cette structure-là, sinon un apprentissage purement pavlovien ou behavioriste pourrait pas du tout expliquer ça. Donc il y a une prédisposition de toute évidence du bébé humain à traiter la structure musicale, et la finesse avec laquelle il traite la structure musicale, on pourrait revenir dans les discussions, est tout à fait remarquable. Alors le fond de la question, c'est de se dire mais à quoi ça sert au bébé, et pourquoi, diable, il vient au monde avec cette prédisposition? C'est quand même pas pour anticiper les conquêtes qu'il va faire quand il sera adolescent ou adolescente, c'est probablement pour une autre raison beaucoup plus fondamentale. Et on s'est donc intéressé à savoir mais comment le bébé, à la naissance, détecte les émotions en musique. Est-ce qu'il les détecte? Quels sont les réseaux neuronaux qui sont impliqués dans cette détection? C'est une étude au scanner qui a été faite par le groupe italien de Milan de Stéphanie Perani. Elle a mis des enfants dans le scanner, bon, des tas de questions éthiques là-dessus, mais on va passer, des enfants qui avaient 2 ou 3 jours. Hein, et elle leur a présenté des morceaux de musique, elle leur a présenté du langage, elle leur a présenté des morceaux de musique qui devaient avoir des émotions agréables et des morceaux de musique qui étaient tellement déstructurés que logiquement ça devait être assez insupportable pour eux. Et elle a regardé quelles étaient les zones cérébrales qui allaient différencier cela. Et ce qu'elle a constaté, c'est que l'amygdale, structure que vous connaissez, en tout cas pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une structure qui est impliquée dans les réseaux émotionnels et dans la détection notamment des stimuli qui sont aversifs, l'amygdale du bébé est déjà capable de différencier ces deux types de morceaux. Donc on a des réseaux émotionnels de traitement de la musique qui sont immédiatement à l'œuvre, 2-3 jours, on peut dire que c'est quasiment immédiat. Et là encore, on se dit, mais c'est bizarre, c'est pas un apprentissage, il y a une prédisposition pour cela. Donc la vraie question, c'est fondamentalement une question de psychologue, à quoi bon? Pourquoi le bébé utilise la musique? Pourquoi il a investi, il a des neurones, il a des structures mentales pour traiter si finement la musique à l'origine? Alors il y a des tas d'études qui ont été faites par le groupe de Laurel Trainor au Canada et de Sandra Treub pour comprendre cela. Et ce qu'on constate, c'est que le bébé est exigeant. On sait très bien qu'il préfère quand sa maman lui chante des choses que quand elle lui parle. Il a une préférence pour la voix chantée de sa maman. Mais attendez, il n'est quand même pas idiot. Il attend que sa maman lui chante de façon expressive. Même si la maman ne chante pas très bien, ça il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une intention de communication dans son chant. Si on demande à la maman en laboratoire de chanter de façon neutre, un petit peu en pensant à autre chose, ou de chanter comme pour un ordinateur, le bébé, bien que ça soit le timbre de sa maman, ça soit sa maman, ça ne l'intéresse pas vraiment. Ce qu'il veut, c'est une intention d'expression. Et donc là, les chercheurs se sont dit, mais c'est peut-être ça. En fait, le bébé a des neurones pour la musique parce que, à l'intérieur de ses productions de type musical, ce qu'il entend, c'est l'intention de communication de son environnement social. Donc, est-ce que la musique ne serait pas finalement le médiateur de la socialisation du bébé par l'oralité? Est-ce que c'est ça qui est véritablement en jeu? D'autres études ont été faites parce que si effectivement la musique sert au bébé pour se repérer dans son environnement, alors on doit pouvoir faire des expériences de type socio-cognitif qui vont montrer que le bébé agit avec les congénères de façon différente en fonction des expériences musicales qu'il a eues avec eux. Et c'est ce qu'a fait Laurel Trainor en montrant, alors bon, là j'ai sauté cette expérience, je vais quand même vous en parler, en faisant plusieurs expériences. Une autre expérience qui est intéressante, elle fait venir des mamans au laboratoire avec leur bébé et il y a 3 conditions expérimentales. Dans les 3 conditions expérimentales, les mamans jouent avec le bébé et à un moment, elles font un arrêt sur image, comme si elles avaient un AVC.
s'arrête. Donc le bébé panique complètement et on mesure à partir de là la chose suivante. Dans une condition expérimentale, la maman peut parler à nouveau avec son bébé à partir d'un certain temps et le chronomètre est lancé pour voir ce qui va se passer avec le bébé. Dans la deuxième condition, elle peut jouer avec le bébé. Dans la troisième condition, elle peut chanter avec le bébé. Et on mesure le temps nécessaire pour que le bébé retrouve son état émotionnel d'avant au niveau facial, mais aussi au niveau des mesures électrophysiologiques qu'on peut faire sur la peau, etc. Ce qu'on constate, c'est que c'est dans la condition où la maman chante que le bébé va récupérer et va revenir à son état émotionnel. Là encore, ça nous indique que manifestement, le bébé utilise l'information de type musical produite par la maman pour comprendre la situation émotionnelle et la situation sociale qui est en train de se produire. Et très clairement, ça lui parle plus qu'elle lui chante « tout va bien » plutôt qu'elle le lui dise ou qu'elle joue avec lui avec les objets qu'elle avait sous la main. Alors pourquoi c'est fondamental cette aptitude et pourquoi on peut imaginer que ça a joué un rôle essentiel dans la phylogénèse? Bien pour la raison que je vais essayer de développer par quelques expériences, Trainor a continué à dire ben maintenant on va voir à quoi ça sert pour que l'enfant interagisse avec d'autres adultes qu'il ne connaît pas. Donc elle fait venir la maman au laboratoire comme ça et il y a une expérimentatrice que le bébé ne connaît pas et dans une situation expérimentale tout le monde écoute la même musique et tout le monde danse ensemble. Donc le bébé danse à sa maman mais il voit que l'expérimentatrice en face danse avec lui. Dans l'autre condition expérimentale, ils écoutent au casque, mais ils n'écoutent pas la même musique. Le bébé danse avec sa maman, mais l'expérimentatrice danse sur une autre musique, donc ils ne sont pas ensemble. Et l'expérience est intéressante pour ce qui suit. L'expérimentatrice, après, la maman repose le bébé par terre, et l'expérimentatrice fait tomber un objet, un jouet, et fait mine au bébé de lui ramener l'objet. Et là, il y a deux types d'attitudes. Dans la condition où le bébé a eu une expérience musicale rythmique, homogène avec l'expérimentatrice, il prend l'objet et il ramène l'objet à l'expérimentatrice beaucoup plus souvent que dans l'autre condition où ils n'ont pas eu cette expérience commune et il va prendre l'objet et il va partir avec ou il va partir sans prendre l'objet. Donc l'idée apparaît que la musique est un vecteur d'empathie et que peut-être le bébé va l'utiliser pour pouvoir interagir avec les autres et s'en servir comme d'un moyen pour guider son interaction sociale. Donc l'idée, si je résume un petit peu, qui émerge de l'approche développementaliste, c'est de dire que oui, la musique a pu avoir une valeur adaptative fondamentale pour cette période de la vie qui est essentielle pour la survie de l'espèce, qui est la prise en charge émotionnelle du bébé. On sait tous très bien qu'une intégration émotionnelle du bébé ou une relation émotionnelle du bébé qui est défectueuse, c'est un développement qui est anormal et une mort possible dans les cas les plus extrêmes, et en tout cas un développement qui n'est pas du tout souhaitable pour la survie du bébé et pour son développement. Et donc, d'une certaine façon, c'est un moment clé dans la prise en charge du bébé. Et ce que dit Trainor et ce que disent les développementalistes, c'est que c'est là que la musique va jouer un rôle fondamental. La musique est utile parce que, justement, elle va aider à la prise en charge du bébé, à son intégration sociale, non seulement dans sa relation avec sa maman, mais dans sa relation avec ses adultes. Et il y a plein d'autres expériences qui ont mis en évidence que c'est ce qui guide un indice que le bébé utilise pour se positionner socialement. Donc, ce qu'on croit aujourd'hui, peut-être que ça ne sera pas pareil demain, c'est qu'il est équipé, il est prédisposé pour traiter la musique, simplement parce que c'est d'une certaine façon vital pour son intégration dans le groupe social. Alors, il y a des tas d'autres expériences qu'on peut faire à partir de là, parce que Trehub se dit, ben, si c'est vrai, alors toutes les chansons qu'on chante aux bébés dans tous les coins du monde ben, doivent avoir des traits communs, parce qu'il n'y a pas de raison, tous les bébés sont à peu près pareils à la naissance, et s'ils ont tous ce besoin fondamental, eh bien, la façon de répondre à ce besoin doit être à peu près la même dans toutes les cultures du monde. Et ce que montre Trehub, c'est qu'effectivement, il existe des universaux en musique. Les sémiologues ont cherché les universaux pendant très longtemps, ils sont au niveau des berceuses pour les bébés. Ce que montre également Trehub, c'est que dans toutes les cultures du monde, on parle au bébé, on s'adresse au bébé avec un parler chanté, hein, un parler qui est beaucoup plus proche du chant, une intonation mélodique qui est complètement délirante. Si je le fais ici, ça ne marchera pas du tout parce que vous n'êtes pas des bébés, mais avec les bébés, ça marche très bien. Et c'est vrai dans toutes les cultures. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est très clairement cette attitude musicale qui joue un rôle probable dans l'inscription du bébé dans le groupe social, et c'est ce qui peut déterminer ensuite tout le développement cognitif et socio-cognitif de l'enfant. Alors, on a donc une deuxième hypothèse, hein, qui est de dire, ben non, la musique, c'est pas un loisir, c'est beaucoup plus que cela, c'est une activité qui joue un rôle fondamental dans la communication entre les êtres humains dès le premier jour de la vie, dès les premiers jours de la vie chez le bébé. Ça semble assez clair. C'est peut-être
Une des premières formes de communication émotionnelle, le bébé préfère la musique très clairement au langage parlé, on peut comprendre. Il préfère véritablement, ça lui parle plus, ce genre d'expression. Et donc on pourrait penser que c'est une forme de communication qui prédispose même l'émergence d'autres aptitudes cognitives beaucoup plus abstraites, beaucoup plus exigeantes, qui vont apparaître ensuite comme le langage. C'est ce que Anirudh Patel va appeler un outil transformationnel de l'esprit, c'est-à-dire que la musique serait un outil transformationnel de l'esprit. Peut-être, dans la histoire très ancienne, on n'était pas prédisposé pour avoir cet outil, pardon, ça avance tout seul. Mais une fois que l'être humain a découvert cet outil, ça a complètement modifié l'évolution de son cerveau, ça a complètement modifié son évolution, un petit peu à l'image de ce qui se passe lorsque l'humain découvre le feu, ben ça a des répercussions tout à fait considérables. Et la musique aurait pu être une activité comme ça qu'on a découverte sous une forme ou sous une autre, mais qui ensuite avait tellement d'implications sociales que ça a eu un rôle et ça a modifié complètement notre cerveau. La musique donc aurait pu jouer un rôle important dans la phylogénèse pour configurer notre cerveau et mettre en place des systèmes de communication. Il est pressé. Des systèmes de communication et des systèmes de traitement symbolique qui vont se raffiner par la suite. Et on pourrait avoir des phénomènes un peu comparables dans l'ontogénèse lorsqu'on regarde l'évolution du bébé. C'est ce pouvoir transformationnel de la musique qu'on va interroger dans la dernière partie, c'est-à-dire en quoi la musique transforme effectivement le cerveau, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau neuroscientifique et qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau social, des perspectives éducation et des perspectives thérapeutiques. Une petite animation pour expliquer cela, sur lequel on va vous proposer un petit morceau. Thank you.
on va revenir sur quelques-uns des effets qui ont été décrits, puis on va aller un peu plus dans le détail de ces effets-là. La première chose qui a intéressé les neuroscientifiques, c'était évidemment de savoir si le cerveau était modifié sous l'effet de la musique. Et on a regardé les cerveaux des musiciens qui travaillent pendant très longtemps, depuis très tôt, à faire des instruments, et en quoi leur cerveau diffère de ceux des non-musiciens. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'évidemment, dans les zones qui traitent de la musique, tout d'abord, que ce soit le cortex auditif ou le cortex moteur, évidemment, à cause des actions, du métier, là, il y a beaucoup de plasticité. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on a trouvé dans les circuits de communication, c'est-à-dire les zones, les réseaux qui relient les hémisphères ou qui relient les différentes régions cérébrales, ce que j'aurais envie d'appeler communément des autoroutes de la communication dans le cerveau, comme le corps calleux par exemple, qui est ici. Ce qu'on constate, c'est que ces structures également, qui ne sont pas directement impliquées que dans la musique, mais qui servent à beaucoup de choses, sont modifiées par l'activité musicale. Lorsqu'on fait de l'IRM anatomique, on constate que la partie antérieure du corps calleux est plus dense, il y a plus de fibres chez les cerveaux musiciens que chez le cerveau, dans les cerveaux des sujets non musiciens qui sont actifs évidemment par ailleurs. On retrouve cela dans d'autres réseaux de communication, les faisceaux arqués qui relient le cortex temporal au cortex frontal. Là, vous avez des musiciens de une soixantaine d'années, donc qui ont été actifs toute leur vie, et d'autres personnes du même âge, mais qui n'ont pas fait de musique. Et vous voyez que les densités des faisceaux arqués sont plus grandes chez les personnes qui sont musiciennes. Vous avez ça également chez des enfants qui commencent à faire de la musique. Vous avez ici des enfants de 6 ans qui sont comparables avant, à cet âge-là, 6 ans. Et vous les retrouvez, ces deux groupes, 2 ans après. Et vous voyez que les faisceaux arqués d'un des groupes est plus dense, qui est ici, que l'autre. Et que c'est ce groupe-là qui a fait des activités musicales. Évidemment, les autres enfants ont fait d'autres activités, mais qui sont différentes. Donc on pense, on a énormément de données neurophysiologiques qui laissent penser qu'on a des effets de plasticité anatomique et des effets de plasticité fonctionnelle qui sont induites par des activités musicales et qui ne portent pas uniquement sur les zones qui sont directement activées par la musique. La deuxième question aussi, qui vient évidemment à l'esprit, c'est de dire, mais à quoi ça sert? Est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement psychologique au niveau fonctionnel? Est-ce que ça a des différences au niveau cognitif? Et alors, il y a eu beaucoup d'études suite à un effet dont vous avez peut-être entendu parler, l'effet Mozart, dont je ne vais pas parler ici, mais on pourrait revenir sur la discussion si vous voulez. On s'est demandé si effectivement le fait d'avoir suivi une activité musicale pendant un certain temps pouvait transférer positivement vers les autres aptitudes mentales non musicales. Et voilà une étude que Glenn Schellenberg à Toronto a faite avec des enfants qui sont randomisés dans ces groupes, c'est-à-dire qu'on les attribue, on leur affecte une condition expérimentale de façon aléatoire. Et il y a des enfants qui vont suivre des cours de piano, des enfants qui vont suivre des cours de chant, des enfants qui vont faire du théâtre, autre activité qui épanouit les enfants, et puis des enfants qui vont faire toutes les activités qu'ils peuvent faire, mais il n'y a pas d'activité spécifique, ce qui définit le groupe contrôle. Et on mesure avant, au début de l'année, leur QI, leur quotient intellectuel, et on fait d'autres tâches de type traitement du langage, etc., compréhension, mémoire phonémique, etc. Et on compare un an après l'année scolaire, qu'est-ce que les progrès qu'ils ont fait. Ce que vous avez représenté ici, c'est les progrès qui sont enregistrés au niveau des tests de QI. Et vous voyez que les enfants qui ont été attribués de façon aléatoire à ces groupes, ces conditions expérimentales, ont des QI qui ont plus augmenté dans les groupes musique et chant que dans le groupe théâtre et dans le groupe contrôle, c'est-à-dire le groupe où les enfants font d'autres tâches. Lorsqu'on regarde les compétences linguistiques des enfants, avant et après, on aurait envie de dire, c'est dans le groupe théâtre qu'ils vont avoir des mésaméliorations dans les tâches linguistiques, de style différencier des questions d'affirmation. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est dans le groupe musique que les enfants réussissent mieux les tâches linguistiques. Il y a énormément de liens entre les performances musicales et les performances linguistiques. Les enfants qui sont bons en rythme, par exemple, sont des enfants qui seront meilleurs lecteurs. On a énormément de données et on peut comprendre maintenant pourquoi il y a des relations entre ces aptitudes. Donc, on peut voir au niveau d'études qui sont assez bien faites sur le plan expérimental, puisque les enfants sont randomisés, des avantages des ateliers musique. Alors, évidemment, on va plus loin, parce qu'on se dit, si c'est vrai, il faut s'en servir. Et donc, l'équipe de Mireille Besson et Daniel Echeun à Marseille s'est dit, à Marseille, il y a plein partout, il y a des enfants qui sont en situation d'échec scolaire, ils étaient à Marseille, ils ont travaillé à Marseille. On va faire des ateliers musique et des ateliers peinture avec ces enfants et on va comparer l'impact de ces ateliers sur les réussites scolaires de ces enfants.
Donc, les ateliers, j'en dis, je passe. Au début, les enfants sont affectés à ces groupes de façon assez aléatoire. Ils choisissent un peu, mais quand on regarde les performances scolaires ou les performances dans des tests cognitifs, ils sont à peu près comparables, les deux groupes. Mais ce qu'on voit ensuite, c'est que même si tous les enfants sont contents de faire les deux ateliers, il y a des enfants qui vont bénéficier sur le plan cognitif de ces ateliers. C'est les enfants du groupe musique. 1 an après et 2 ans après, l'écart s'accentue. Donc, tout le monde est content de faire ces ateliers. Mais il y a une activité qui manifestement transfère positivement vers d'autres compétences de type celles qu'on obtient dans les acquisitions scolaires. Et ce n'est pas que dans des tâches cognitives qu'on trouve des avantages de ces ateliers musique. Thomas Zello, qui travaille beaucoup sur la cognition sociale, a fait des tâches de résolution de problèmes avec des enfants. Dans deux conditions. Dans un premier cas, les enfants viennent et jouent avec l'expérimentateur et ils font du rythme ensemble. Ils dansent. Ils se synchronisent et vous verrez que la synchronisation rythmique est une variable indépendante extrêmement importante. Ils se synchronisent avec l'expérimentateur et ensuite ils jouent. L'expérimentateur dit: « Bon, je dois aller faire un truc à la fac. » Vous jouez avec les jeux qui sont là. Et les jeux sont conçus pour se casser. Ils sont piégés en quelque sorte, et pour que les enfants se trouvent dans une situation où ils ont un problème à résoudre. Et ils sont filmés. Et on analyse toutes les attitudes de collaboration et tout ce que vont faire les enfants. La deuxième condition, l'expérimentateur est là, les enfants jouent, la musique est là, mais il n'y a pas d'interaction avec l'expérimentateur. Mais la musique est de là, mais ils n'interagissent pas, ils ne dansent pas, il n'y a pas de synchronisation rythmique. L'expérimentateur s'en va, la même chose, les enfants jouent, ils cassent les objets puisqu'ils sont bien prévus pour être cassés, et on filme comment les enfants vont réagir. Ce qu'on constate, je ne sais pas, je n'ai pas les tableaux là, c'est que si on mesure les attitudes de collaboration, il y a un effet genre. Vous pouvez le deviner, les petites filles collaborent plus pour résoudre le problème, mais il y a un effet musique. Dans la situation où les enfants ont interagi musicalement avec l'expérimentateur, il y a beaucoup plus d'attitudes de collaboration, et les petits garçons qui étaient un peu à la traîne pour collaborer, pour répondre aux problèmes, eh bien, se mettent à être actifs pour essayer de résoudre et de solutionner les jouets qu'ils pensent avoir cassés. Dans l'autre groupe, on a beaucoup moins cela. Et Glenn Schellenberg a refait une étude très récente et qui résonne un petit peu avec des éléments d'actualité, qui s'est dit: mais qu'est-ce qui se passe dans les écoles au Canada où on impose des ateliers aux enfants? C'est pas qu'on les impose, mais il y a des ateliers musique, les enfants sont obligés de les faire. Dans d'autres écoles, il y a des ateliers sport, il y a des ateliers théâtre, ils sont obligés de les faire, il n'y a pas le choix. Est-ce que ça a un impact sur les aptitudes socio-cognitives, c'est-à-dire la capacité à collaborer, la capacité à lire l'émotion dans le regard des autres, hein, tout ce qu'on appelle la psychosociale, c'est-à-dire l'empathie, etc. Et ce qu'ils constatent, c'est que dans les écoles où les ateliers musique sont imposés par le programme, on a des meilleures capacités socio-cognitives que dans les autres écoles, et c'est d'autant plus grand qu'on a mesuré des enfants qui étaient initialement en situation d'échec scolaire, échec social, délinquance. Donc, dans ces cas-là, même si les enfants n'ont pas du tout choisi l'atelier musique, la musique est assez forte d'une certaine façon pour imposer sa cohésion sociale et relancer des schémas de type socio-affectif. Alors, on met du temps, nous, à découvrir ça. Mais il y a des sociétés comme le Venezuela qui ont découvert ça il y a 30 ans. Antonio Abreu, qui était un musicien économiste, qui était ministre de l'économie, a dit: on perd plus d'argent dans le pays à avoir des enfants qui sombrent dans la délinquance et la prostitution qu'on aurait si on leur apprenait à faire de la musique. Il a créé ce programme El Sistema de socialisation des enfants par la musique. Et non seulement ce programme a été un échec, pas un échec, une réussite sociale, mais sur le plan musical, ça a été une très très grande réussite. Quand les premiers orchestres El Sistema sont arrivés sur les grandes scènes internationales, que ce soit les Proms à Londres, Festival de Salzbourg, etc., ils ont fait un tabac. Peut-être vous avez entendu parler de Gustavo Dudamel et des orchestres El Sistema. Si vous avez jamais entendu, allez voir sur YouTube, c'est extraordinaire. Ces enfants-là ont manifestement réussi une intégration sociale via la musique. Donc, ce qui laisse penser que ce qu'on peut observer au niveau expérimental peut avoir une validité à grande échelle. Alors, évidemment, on a envie d'aller plus loin parce qu'il y a d'autres maux dans la société que la délinquance, il y a d'autres problèmes que l'éducation, il y a évidemment des problèmes de santé. Et est-ce que la musique pourrait être un neuroprotecteur? C'est une formule de journaliste, mais c'est pour aller un petit peu vite. Et un des derniers ouvrages d'Oliver Sacks, le neurologue que vous connaissez sans doute pour le livre L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, a fait tout un ensemble d'observations sur des cas cliniques de patients
qui était vraiment atteint très profondément, mais qui, bizarrement, avait des aptitudes musicales préservées. Et donc Sax, dans un de ses derniers livres, se dit c'est incroyable la robustesse des activités musicales, pourquoi on a une telle robustesse, alors qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de langage, mais on a encore cela. Donc ça conduit les chercheurs à se dire, mais est-ce que la musique, étant donné tout ce qu'on a découvert, peut avoir un impact pour la prise en charge des pathologies cérébrales? Pas la musicothérapie qui s'occupe des problèmes de personnalité qui sont plus compliqués à délimiter du point de vue scientifique, mais une autre pathologie bien plus claire d'un point de vue clinique, c'est-à-dire avec des lésions cérébrales. Et on a des découvertes que je vais passer un petit peu rapidement, mais qui sont bien médiatisées maintenant. Le premier domaine où ça a été très efficace, c'est dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Michael Toth, qui était un des premiers à travailler sur ce domaine, a montré que par des amorces musicales, par l'écoute de la musique, on peut aider des patients parkinsoniens à retrouver une marche fluide et même une marche presque dansante. Et pour ceux qui ont travaillé avec des parkinsoniens, il faut aller vraiment voir, il faut regarder ces vidéos parce que c'est tout à fait surprenant de voir les effets qu'on peut obtenir. Il y a tout un handbook of music therapy with music pour les troubles neurologiques qui a été écrit et qui décrit cela. L'autre grande pathologie, c'est Alzheimer. On a travaillé à Dijon avec le conservatoire sur la prise en charge et des ateliers de mémoire avec la musique pour les patients Alzheimer. Par la musique, c'est très documenté maintenant. On peut limiter l'impact de certains symptômes de la pathologie d'Alzheimer. Et notamment, on peut faire réapprendre des chansons, on peut faire réapprendre des séquences de gestes. C'est pas facile, mais il y a un réapprentissage qui est possible. Et pour vous donner une idée de ce qui est possible, voici une tâche de mémorisation de mots chez des personnes âgées saines et chez des patients Alzheimer, et vous voyez que dans un cas on a parlé les mots qu'ils devaient apprendre et dans un cas on les a chantés. Vous voyez que dans tous les cas les Alzheimer ont des problèmes de mémoire énormes, c'est normal, mais dans la condition parlée ces problèmes sont plus accentués que dans la condition chantée. Donc il y a des possibilités, on peut comprendre les raisons neurophysiologiques maintenant, de réduire les symptômes, la gravité des symptômes de la pathologie Alzheimer par la musique. Là, on a pensé à vous, à nous aussi. Lorsqu'on travaillait sur ces ateliers, on jouait évidemment des musiques du début du siècle et les médecins, qui sont toujours coquins à faire des blagues, nous disent « Mais quand, dans 20 ans, vous allez venir avec des guitares électriques pour jouer Smoke on the Water à la génération du baby boom ?» Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un quatuor à cordes qui joue du rock. On s'est dit « Non, il faudra qu'on puisse venir jouer ces musiques-là, mais sous un format qui soit compatible avec les institutions. » Donc plutôt que de jouer « Fleurs bleues » ou des chansons de Charles Trenet, comme on faisait quand on a fait ces travaux, bien peut-être dans 15 ans, on viendra, comme on va venir maintenant, pour jouer des chansons qui ont une trace en mémoire qui sont importantes et avec lesquelles on peut lancer un travail de rééducation par la musique chez les personnes Alzheimer. Thank you.
Alors, il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été faites sur la contribution de la musique pour essayer de faire une rééducation après des différents types de pathologies cérébrales. Une autre expérience qui a beaucoup marqué le domaine, c'est une expérience qui a été faite par le groupe en Finlande sur des patients qui avaient des AVC, donc des hémorragies cérébrales. À l'issue de ces hémorragies cérébrales, on va faire trois groupes de patients. Certains qui vont, de façon aléatoire, qui vont écouter de la musique, des CD, 2 heures par jour, et d'autres qui vont écouter des CD de paroles, donc des histoires qui leur sont lues sur des CD, et d'autres qui vont faire de la rééducation traditionnelle dans les instituts, dans les centres de rééducation où vont les, enfin, qui suivent les AVC. Et on fait des tests, des batteries de tests neuropsychologiques très grandes avant le début du traitement, 3 mois après que ces trois types d'approches soient mises en place, et 6 mois après. Ce qu'on constate, voici quelques exemples de résultats. Alors évidemment, au début, tous les groupes sont comparables. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des groupes qui récupèrent mieux que d'autres. Et systématiquement, les groupes qui récupèrent mieux sont les groupes qui ont été dans les conditions musique, y compris lorsque c'est du langage qui est testé, par exemple la mémoire verbale, ici, ou la compréhension du langage. On a souvent des performances linguistiques qui sont meilleures chez les gens qui ont entendu de la musique plutôt que ceux qui ont entendu du langage. Ce que l'on pense, c'est que la musique aide à réorganiser dans l'hémisphère contralatéral les fonctions linguistiques qui ont été atteintes par l'AVC. D'autres études ont été faites sur les aphasiques. Les aphasiques peuvent avoir des difficultés considérables d'élocution. Et les études de Gottfried Schlag ont montré que par la rééducation et par le chant, on permet à des aphasiques de retrouver un certain accès fluent à la parole, ce qui peut se caractériser par la formule « il ne parle plus, mais il chante ». Et vous avez un DVD qui a été fait et qui a été d'ailleurs diffusé sur Arte le 25 décembre à 22h sur les chaînes françaises, qui s'appelle « L'instinct de la musique », dans lequel on voit un groupe de patients aphasiques travailler par le chant et des personnes totalement aphasiques être capables de chanter sans difficulté la chanson qu'on leur a apprise. D'autres études encore plus surprenantes, des patients qui ont eu une hémorragie cérébrale ont des problèmes moteurs importants. L'équipe d'Alton Müller s'est dit, si les problèmes moteurs ne sont pas trop importants, mais qu'on est dans un certain range de difficultés, leur faire apprendre le piano peut être un élément de rééducation plus efficace que la rééducation motrice habituelle. Et l'idée, c'est évidemment pas de leur faire jouer du Mozart, mais de leur faire apprendre à jouer avec les mains ou avec des appareillages comme une batterie reliée à des notes de musique, chaque tome est relié à des notes de musique, à jouer des petites chansons qu'ils connaissent. Et ce que montre Alton Müller, c'est que ce retour, ce feedback sonore, est un élément de réorganisation de la plasticité au niveau cortical moteur. C'est-à-dire que par des études d'IRM, on voit que ça facilite la réorganisation des réseaux au niveau du cortex moteur, simplement comme si en quelque sorte le feedback du cortex auditif aidait à la rééducation. Et pour les patients, avoir au bout du geste un son, c'est un élément de rééducation qui est très important. Le fait que ça soit musical et qu'on ait une structure qui conduise et qui aide à guider un geste coordonné dans le temps est un élément qui renforce la rééducation. Alors il y a d'autres questions, celle-là on n'y échappera pas, c'est le vieillissement. Est-ce que la musique pourrait nous aider à mieux vieillir? Alors il y a des groupes de rock qui vieillissent remarquablement bien, il y a des musiciens classiques qui vieillissent remarquablement bien. Il y a des tas d'études qui ont été faites et qui montrent effectivement qu'il semble qu'une pratique musicale soutenue pendant 10 ans a un impact à très long terme sur le vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a des éléments du vieillissement qui vont être considérablement atténués si vous êtes quelqu'un qui a pratiqué de la musique pendant 10 ans, pas nécessairement de façon professionnelle, mais de façon soutenue. Et on a beaucoup d'éléments, et peut-être un des éléments qui est le plus troublant, et vous allez comprendre en quoi c'est important, c'est un élément qui a été rapporté par l'équipe de Nina Kraus. Un des problèmes importants qu'on a avec le vieillissement, c'est la capacité d'entendre et de comprendre le signal de parole dans des environnements qui sont bruités. C'est un petit peu le problème que nos grands-pères et nos grands-mères peuvent avoir. Ils ne veulent plus recevoir leurs petits-enfants parce qu'ils avaient trop de bruit, qu'on ne les comprend plus et ça fatigue. Et on a donc un vieillissement de cette aptitude à détacher le signal de parole de l'environnement bruité qui est très fort, et des effets du vieillissement qui sont très forts.
Et là, vous avez des mesures, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais de la difficulté de ce traitement qui sont ici. Vous voyez qu'en haut, c'est très facile, pardon, et puis là, c'est très difficile. Et là, vous avez des musiciens qui sont des personnes âgées qui ont fait de la musique, des personnes âgées qui n'ont pas fait de la musique, et vous avez des jeunes. Et vous voyez que, si mon tableau est lisible, d'ici, c'est un peu loin, vous voyez que les personnes âgées qui ont fait de la musique pendant 10 ans ont gardé des oreilles de 20 ans pour faire ce traitement. Et ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire que dans leur environnement social, ces personnes-là vont être beaucoup moins affectées par le bruit, vont beaucoup moins être affectées par tous les petits-enfants, donc vont pouvoir avoir une vie sociale beaucoup plus riche et plus active que les autres. Et évidemment, ça a des effets de boule de neige. Peut-être des effets qui vous intéresseront encore plus. C'est difficile de faire la sélection et de vous dire le plus intéressant en peu de temps. Mais ce qu'on montre, c'est que même si vous n'avez pas eu la chance de faire de la musique et que vous commencez maintenant, assez tardivement, et que vous vous dites « bon, la guitare, le piano, ça m'intéresse, je vais m'y mettre », et qu'on fait des mesures de vieillissement cognitif avant que vous vous y mettiez et après que vous vous y mettiez, et qu'on compare les deux groupes, c'est-à-dire vous qui vous impliquez vraiment, alors il faut quand même s'impliquer un peu, c'est-à-dire jouer tous les jours et surtout faire des concerts toutes les semaines devant d'autres gens, parce que là on s'implique, mais qu'on compare votre activité à celle qu'on appelle des seniors actifs, qui font des voyages, qui sont impliqués dans des différents jeux sociaux, enfin de réseaux sociaux, donc ils ne sont pas du tout des personnes qui s'endorment, hein, qui sont encore très actives. On constate que même après 4 mois, vous avez des améliorations des tâches cognitives, style de fluence cognitive, de capacité à inhiber certains processus et de revenir à d'autres, etc. Donc toutes les mesures qu'on a du vieillissement cognitif. Après 4 mois d'apprentissage de la musique, vous avez déjà limité considérablement le vieillissement cognitif par rapport à d'autres seniors qui sont impliqués dans d'autres activités. Alors, le résumé, il est là, et on arrive à la fin. Chez le sujet sain, ce que l'on a constaté dans les 20 ou 30 dernières années d'études en neurosciences cognitives de la musique, c'est qu'il y a un effet de plasticité anatomique et fonctionnelle chez le sujet, et même chez des sujets qui commencent tardivement la musique. Fonctionnellement, ben, ça améliore le QI, ça facilite les acquisitions cognitives et sociales chez l'enfant, ça facilite les apprentissages fondamentaux, ça ralentit le vieillissement cognitif chez les personnes âgées saines, et chez les patients, bien, ça aide à retrouver un certain accès à la parole, ça facilite la rééducation motrice des AVC, ça facilite la marche chez les patients parkinsoniens, ça relance quelques réseaux de mémoire chez les patients Alzheimer. Je pourrais en continuer encore à vous donner d'autres effets qui ont été... Donc on est assez convaincu que la musique a un pouvoir transformationnel sur le cerveau et que, évidemment, il faudrait que notre société utilise et tienne compte de ces découvertes pour repenser l'activité musicale et la place de la musique. C'est peut-être le message principal qui sera le mien. La musique, c'est pas un loisir et c'est même pas une activité artistique. Personne ne réduirait le langage à une activité artistique. La musique, c'est une activité de communication sociale qui a des tas d'impacts sur la vie cognitive et sociale des personnes et qui développe le cerveau. Et faire de la musique, c'est donc beaucoup plus que faire des sons agréables. C'est quand même la raison pour laquelle qu'on va finir cette conférence avec un morceau, et vous comprendrez qu'on ait choisi ce morceau, donc la morale, bah, vous la voyez, des Rolling Stones, que vous allez connaître, je pense, assez facilement. Thank you.